Bonjour les amis, les Guriens et vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous pour une petite vidéo que j'avais envie de faire comme ça pour vous remercier de votre gentillesse et puis de tout. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Donc je me suis dit, je vais faire les triangulaires. Donc, je suis au pupeux, voilà, que je sais pas, je me suis dit, tiens, on va prendre plein de jeux aujourd'hui. Parfois, on aime bien. Donc, j'ai utilisé l'oracle de Sceaux, mon prototype, hein. Et l'oracle de Sceaux, c'est un autre que je garde pour moi. D'accord? Donc, il y a les deux. J'ai utilisé le Golden Reverie, le Normand. Donc, ça, c'est l'édition Expanded. Pour celui-là. Mais j'ai pas pris les cartes. Hein. J'ai pris que les cartes normales. Hein. Et celui-ci aussi. Donc, celui-là, je l'avais déjà. C'est le même, mais sans les cartes supplémentaires. J'ai utilisé, alors, celui-là, le... Le tarot, je crois, des archanges. Enfin, de toute façon, je joue. De Doreen Virtue. Puisqu'on va faire l'amour. Enfin, on va faire l'amour. On va faire pour l'amour. Et puis, j'ai utilisé de celui-ci aussi. Tarot, je ne sais plus quoi. Donc, de Doreen Virtue aussi. Après. Ben, j'ai celui qui est magnifique, il y a le tarot des flammes jumelles. Donc j'ai fait la petite présentation il n'y a pas très très longtemps. Et le... Alors là. L'Enchanted Universal. Voilà. Je sais plus. Moi, le titre, je ne sais plus, c'est normal. Il paraît que c'est normal avec ce qu'on a, c'est qu'on oublie tout. Oui. Donc voilà, de toute façon, je vous mettrai tout en barre d'infos. Je n'ai... Ben voilà, donc, je vois rien, mais tes lunettes. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je ne sais pas du tout, j'ai pêché les cartes. Donc, d'ailleurs, je vais faire comme ça. Ouais, attends. Je vais plutôt faire... On va faire comme ceci. Donc, voilà. Alors, on va... Ah oui, c'est normal. Donc, vous avez des cartes différentes. Donc, il n'y a jamais un seul jeu. Hein. Donc, à chaque fois, si j'ai utilisé le petit Normand, il y en a deux. Et j'ai utilisé... je ne sais plus quoi, il y en a deux. Ah oui, l'oracle de Sceaux, il y en a deux. En parenthèse, ne m'envoyez plus de mail pour l'oracle de Sceaux, parce que je suis... J'en ai plus. Mais voilà. Allez. On y va. Alors. Bon, premier tas, deuxième tas. Je vais quand même vous laisser le temps de choisir. Hein. Premier tas, deuxième tas. Je vais me bouger ça. J'ai la minuterie. Juste. Voilà. Premier tas, deuxième tas. Vous voulez quoi? Un petit... Oh, on va prendre ceci, son petit comique. Des petits comiques. Des petits... petit marié, petite mariée. Oh, ils sont gentils, ils sont gentils. Ils ne disent jamais rien. Donc, voilà. Vous pouvez choisir la mariée ou le marié. Ils sont gentils. J'aime bien. C'est mon côté Jonathan. J'ai un côté glauque aussi. Hein. Regardez. Oh, j'en ai plein partout. Allez, on y va. Donc, pour ceux qui ont choisi le marié. Pour ceux qui ont choisi le marié. On va y aller, les amis. D'accord? Et on va voir ce que c'est. Alors, pour une triangulaire. Donc, si vous êtes en triangulaire, si vous vivez une situation, si vous êtes monsieur, madame... si vous êtes, voilà, que ce soit votre mari qui a quelqu'un, c'est votre femme qui a quelqu'un, c'est vous qui avez quelqu'un, voilà. On va voir un petit peu ce que ça donne tout ça et ce que ça va aller, c'est pour dans les 3 prochains mois, d'ici à 3 mois, d'accord? Allez, on y va. Waouh! Alors ici, on a l'union sacrée. L'union sacrée. Il faudra que je décrypte
pour voir si, ici par exemple, l'union sacrée, si c'est avec votre mari actuel ou si c'est avec la personne, la troisième personne. Donc, quand je vais dire la troisième personne, ce sera évidemment l'amant ou la maîtresse. Même s'il est marié ou même si elle est mariée. Donc, ce sera l'amant ou la maîtresse. Si vous êtes seul et que vous êtes avec quelqu'un qui est marié, ben, je dirais toujours l'amant et la maîtresse. Donc, ce sera votre amant ou votre maîtresse. Même si c'est vous qui êtes l'amante ou la maîtresse, comprenez. Alors, on a ici l'union sacrée. D'accord. Waouh! On a le chevalier de flamme avec le rapprochement. On a le rapprochement. Elles sont trop belles les cartes. Ok. C'est déjà bon tout ça. Donc, le but ici de moi, c'est de voir si vous êtes en triangulaire, c'est pour vous, pour votre bien à vous. Je ne veux pas voir du mal pour la personne là, qui est de trop, entre guillemets, mais c'est pour voir si on ne se joue pas de vous ou si, voilà, si on est sincère, etc. Donc, quel est l'avenir pour vous dans cette relation triangulaire? Et puis, on a la lame sacrée. Ok. Ok. D'accord. J'analyse après, d'accord? Je me mets dans le jeu là maintenant. Pour que je préfère. Je vais pas analyser tout de suite, je préfère pas. En tout cas, c'est très beau jusque-là. C'est très beau, c'est ce que vous désirez, à mon avis, jusque-là. Hein. Pour ça que je ne veux pas dire tout à l'avance, parce que sinon, je risque de faire des. Et puis qu'on retomberait bien à bas. Mais jusque-là, c'est tout beau. Ensuite, nous avons la grande prêtresse. Ok. Nous avons l'étoile. Oh, ok. La lune. Oui. Oui. La colombe, celui-ci, parfois il est hard, hein, celui-ci donc. La colombe, écoutez, la colombe c'est tout bon, hein. Les écrits, les choses qui s'officialisent. Les arts. Et puis. On refera une carte en plus parce que je ferai 13 cartes. J'aime pas. J'ai fait, attendez, non, j'ai fait comme ça, c'est juste. Après, on a l'arbre, ok. La cigogne, oh, 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 oh. Et le cavalier, d'accord. D'accord. Bon, ici, ici, il y a des. Voilà, vous allez tomber enceinte. Ou votre maîtresse, je vais dire ça comme ça, va tomber enceinte. Je vais parler, alors quand je vais dire maîtresse, amant, parce que vous pouvez très bien, par exemple, un monsieur peut avoir une maîtresse, mais il aime sa femme, il n'aime pas spécialement sa maîtresse. Sa maîtresse lui apporte d'autres choses que sa femme ne lui apporte pas ou plus. Et c'est tout. Mais si on lui disait bah, quitte ta femme pour ta maîtresse, il ne le ferait jamais, par exemple. Donc, la femme de son cœur, ce n'est pas toujours la maîtresse, hein. Faut bien se mettre ça en tête. D'accord? Donc, voilà. Donc, ça, c'est à chacun de savoir qui vous aimez et avec qui vous avez envie de. Voilà. Alors ici, qu'est-ce qu'on voit? Déjà, on a une union sacrée, il y a quelque chose qui revient. Donc, alors si vous êtes dans une situation d'écart, on va dire, si vous êtes dans une situation où on s'est un petit peu
pas détourné, mais éloigné. Si on s'est un petit peu éloigné, ici, il y a des énergies vraiment de rapprochement. D'accord? De rapprochement. Je pense que ici, pour certaines personnes, cette union-là que vous voulez avec la personne, que vous voudriez que la personne en trop s'en aille, ça peut être madame qui veut ça. Alors, et c'est son mari, et peut-être qu'il y a une maîtresse aussi, et c'est vous, madame, qui regardez, ou monsieur, hein, donc, voilà. Donc, dans ce cas-ci, ici, l'union, elle est sacrée. Quelle union? Je crois que c'est votre union, déjà, de mariage, ou, on va dire, officielle, là, d'accord? Cette union est sacrée. Donc, si vous êtes en triangulaire, si votre mari, votre femme, je vais dire ça comme ça, parce que on est plus rapproché, va voir ailleurs, c'est simplement parce que, voilà, il a eu son coup de la cinquantaine, et voilà. Mais, il va se rapprocher, parce que il va se rendre compte de ce qu'il pourrait perdre en vous perdant, d'accord? Alors, ça peut être vous, ou ça peut être les deux. C'est à vous de voir si vous êtes dans ce schéma-là. En tout cas, il y a un rapprochement certain. Et il y a, avec le zéro ici, qui est avec l'âme sacrée, qui est en l'occurrence le fou, le mat, il y a des commencements. Donc, on va vraiment ici sur de nouveaux commencements. On va ici sur des... On ne sait pas très bien où on va ici. On ne sait pas très bien où on va, mais on y va ensemble. On y va à deux et on y va l'un avec l'autre sans du tout... on y va sans obligation. On y va parce qu'on a envie d'y aller, parce qu'on a envie d'y aller ensemble. Et vous allez y aller dans la vie. Hein. N'y allez pas maintenant parce que le coronavirus, on ne peut pas sortir. Mais je vais dire, voilà. Ici, vous allez... voilà. D'accord, je vais quand même les résoudre hein, parce que je n'aime pas de... Ok, donc on a la grande prêtresse, on a l'étoile et on a la lune. Avec l'archange Aniel, l'archange Jophiel et l'archange Aniel encore. Alors, ici, qu'est-ce que nous avons? Ok. La grande prêtresse, évidemment, c'est quelqu'un qui est... La grande prêtresse, c'est quelqu'un qui a une certaine connaissance, c'est quelqu'un qui a étudié, c'est quelqu'un qui... qui a certainement aussi des secrets, des mystères. C'est quelqu'un qui est limite entre le monde matériel et le monde spirituel ou intellectuel. Oui, donc là, ici, la grande prêtresse, elle a... c'est une énergie ici, ce sont des énergies, pas parce qu'il y a des femmes, c'est pas pour ça que ce sont des personnages, ce sont des énergies, d'accord? Donc ici, vous allez avoir des énergies... de réflexion. Donc ici, vous allez voir, vous allez méditer, vous allez, ou alors faites-le, on vous le demande, hein, si ce n'est pas le cas, mais écoutez, faites-le quand même, c'est important si c'est ressorti dans les cartes. Donc, il faut peut-être réfléchir, il faut méditer à certaines informations, comme on dit ici, qui ont des grandes valeurs. Soyez en paix. Donc ne partez pas, ne quittez pas tout si vous n'êtes pas en paix. Maintenant, alors je sais très bien, je suis bien placée pour le savoir, c'est pas moi qui jette la pierre. Donc, quand on quitte quelqu'un, il ne faut pas croire qu'on est mal. On est parfois plus mal que celui qu'on quitte ou celle qu'on quitte. Il ne faut pas croire, hein, faut pas croire qu'on s'en va et que c'est tout est waouh, waouh, tout est rose. Non, non, il faut quand même... voilà. Donc, il faut être prêt. Il faut être prêt et prête à le supporter, à supporter cet éloignement, à supporter le fait qu'on fait du mal aux autres. Mais parfois, il faut être un peu égoïste, il faut se dire qu'est-ce que je fais, est-ce que je bouge et je serai probablement, puisqu'on y croit, heureuse, ou est-ce que je reste et je sais que je serai malheureuse parce que je n'ai pas ce que je veux. Et donc, voilà, ça c'est à chacun et à chacune de réfléchir. En tout cas ici, vous allez réfléchir à cette situation et vous allez trouver la solution parce que vous êtes très perspicace, d'accord? Donc, en effet, vous allez donc vraiment réfléchir à ça. Mais vous allez, après réflexion, vous allez être en paix avec vous-même. D'accord? Alors,
Ici, on a l'étoile, l'archange Jophiel, l'étoile. Bah écoutez, voilà, le rêve devient réalité ici, croyez en vous, et c'est la fin d'une situation difficile. Donc je vous montre quand même l'étoile, la fin d'une situation difficile. En même temps, l'étoile, c'est aussi la protection. C'est aussi, ça pourrait aussi être la célébrité, ça pourrait être la. Oui, je me gratte, j'ai des puces à mon avis. J'ai. Oh. La fin d'une situation difficile. La célébrité, la popularité. La popularité. Vous allez avoir de l'assurance. On vous demande d'avoir de l'assurance. Donc, quelqu'un qui a une certaine assurance a une certaine prestance. Donc, c'est quelqu'un qu'on regardera, qu'on remarquera beaucoup plus vite que quelqu'un le petit timide, là, dans son coin, on ne le remarquera pas. Mais là, quelqu'un qui a vraiment une assurance, qui rentre dans une assemblée, on le remarque. Et là maintenant, je pense que c'est vous qui devez prendre un petit peu ce rôle-là, parce que vous en avez besoin pour avancer. Et c'est peut-être ça qui vous bloquait, le fait de justement devoir passer ce cap-là. Prenez la lune. Donc ici, vous avez des opportunités ici qui vont s'offrir à vous avec la lune. Donc, en plus, on a deux fois l'archange Haniel. Donc, c'est la carte 2, 17 et 18 pour ceux qui veulent pour les chiffres. Ici, nous avons. On va avoir l'opportunité de réfléchir un peu plus, d'élaborer plus finement vos projets. Donc ici, on vous dit de vous laisser guider par votre interprétation. Oui, moi je dis, laissez-vous guider aussi par votre cœur. Là, il met quoi? Affronter vos peurs pour être plus fort. Oui. Ouais. De toute façon, quand on est amoureux, on ne voit rien. On ne voit rien d'autre, on y croit. Mais j'ai quand même envie de vous dire, alors pas pour vous, pour tout le monde, hein, donc ça parlera à une ou deux personnes, ou à 10 personnes, ou à 20 personnes, ou à 50, je ne sais pas. Mais en tout cas, il faudrait vraiment ici. Bon, je ne pense pas. Ici, je pense qu'on est dans le bon, avec la bonne personne. Mais il est possible que votre intuition remarque que ce n'est pas la bonne personne. Donc. Qu'est-ce qui va faire l'univers? Si ce n'est pas la bonne personne, non, c'est la bonne personne. C'est la bonne personne. Vous avez choisi la bonne personne, vous êtes avec la bonne personne. Apparemment, donc vous allez vous rapprocher, vous allez vous unir. Ça va être quelque chose de profond, de pur. Oui, ça c'est comme ça. C'est quelque chose qui va être vraiment très très beau. Ouais, c'est quelque chose qui va être magnifique. Après, on a quoi? On a la colombe. On a la colombe, c'est parfait. Donc ici, on a la sérénité, le bonheur, la douceur, la paix aussi, le calme. Voilà. Ça nous parle éventuellement par rapport au travail. C'est quelque chose qui nous plaît aussi. C'est quelque chose qui est épanouissement. C'est une santé qui s'améliore. Ici, ce sont les écrits. Donc les écrits avec les. Le rêve devient réalité. Ici, pour moi, ça va être des choses qu'on va officialiser. Des écrits qu'on va officialiser. Ça veut dire mariage, divorce. Voilà, il va y avoir vraiment des choses qu'on va mettre par écrit, qu'on va officialiser. Après, on a les arts. Les arts, c'est un petit peu ce qui est marginal, en marge de la société. Peut-être que vous êtes un petit peu, vous, en marge de la société. Sinon. Vous allez il y a quelque chose, vous allez réaliser quelque chose. C'est comme si vous allez faire quelque chose que vous voulez depuis toujours. J'invente ici, c'est comme si vous allez, j'ai le pinceau, vous allez réaliser une œuvre, une peinture
qui va être la plus belle peinture que vous puissiez faire parce que justement toutes les énergies seront réunies et vous aurez tellement de force et tellement de choses à faire sortir de vous que vous allez créer quelque chose de magnifique. Et ces énergies-là qui vont être créées dans le tableau, elles vont vous aider vraiment à avancer. Elles doivent sortir de vous pour qu'elles soient plus fortes. Avec ici l'art, la création. Après, nous avons le petit Lenormand. Donc, on a l'arbre. On a la cigogne. Et puis le cavalier. Ok. Donc ici on a Yggdrasil, hein, l'arbre avec les. Boum. Ok. Maternité. Oui. Maternité, accouchement, grossesse. Pour vous ou une personne qui. Vous allez avoir des nouvelles d'une personne qui est enceinte. Vous allez avoir des nouvelles d'une personne qui est accouchée. Par rapport à un bébé, en tous les cas, oui, c'est une nouvelle qui est par rapport à un enfant. Donc, la fin d'une situation difficile. Si, peut-être que aussi, oui. Alors, si vous avez fait un enfant, parce que justement, vous avez cru qu'en faisant un enfant, ben. Votre compagnon, ben, il va quitter sa femme pour vous. Il y a 99 chances sur 100 qu'il ne le fasse pas. Parce qu'on ne fait pas un enfant. Un enfant, c'est déjà pas évident quand on est dans une relation saine et équilibrée. Donc, quand on est dans une situation triangulaire, c'est pas vraiment comme ça qu'il faut faire venir un homme. Hein, du tout. Au contraire, vous le faites fuir. Je bois un petit coup de Red Bull, sinon je m'endors. Moi, je dors la journée, je ne dors pas la nuit. Voilà, donc ici, il y a. Oui, c'est pas boire le Red Bull, pas boire ça. Donc, il y a effectivement un changement. Il y a des écrits par rapport à un enfant, déménagement, je vois aussi déménagement. Je vois. Alors santé, je vois pas, pour certaines personnes, il y a un problème d'ordre gynécologique, problème d'ordre gynécologique, problème d'ordre d'organes sexuels, qui pourraient avoir des petits soucis de santé, on va dire, à ce niveau-là. Donc, je vais retirer une carte. Je ne sais pas du tout de quel jeu, mais je vais retirer une carte. Donc, ici, on va dire, pour vous qui avez choisi ce teint, avec le petit le marié, du coup, qui est tout mimi, tout chipou, tout mimi, tout chipou, pou. Union sacrée, donc vous allez vivre quelque chose qui va être sacré, vous allez vivre une union qui va être belle. Et stable, et stable. Vous allez vous. Le cavalier de flamme, il va aussi. C'est quelqu'un qui va venir vous. C'est quelqu'un qui va vous donner des nouvelles. Le cavalier de flamme, c'est le départ, c'est l'absence, c'est l'éloignement, c'est le voyage, voyageur. Voyageur. Du coup, pourquoi est-ce que. Et du coup, attendez. Qu'est-ce que je voulais voir? Je pense qu'il est possible que vous partiez ensemble. Pas en vacances, hein, et pas maintenant. Quoique, peut-être, voilà. Mais il y a, ici, vous allez partir en vacances. Vous allez partir ensemble, quelque part. Vous allez construire quelque chose ailleurs. Vous allez probablement vous marier ou vous remarier. Ça peut. J'en connais qui se sont remariés. Ça n'a pas fonctionné.
En tout cas, vous retrouvez la paix. Vous allez vous retrouver dans une situation saine parce que les choses seront mises par écrit, parce que les choses vont... les choses vont être... C'est tout beau pour moi. Vous allez avoir la paix, vous allez avoir la protection, vous allez être dans le bonheur, vous allez vivre un amour véritable, un amour partagé, vous allez être dans la sérénité, vous allez avoir des échanges cordiaux avec des personnes avec qui peut-être vous ne vous entendiez plus. C'est une relation, cette carte, c'est la carte des relations très 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 solides. Ça pourrait aussi être la carte d'un job sympa, épanouissant, qui vous plaît, une belle ambiance, quoi, voilà. Et c'est la carte de la santé qui est améliorée, plus plus. Maintenant, il faut pas non plus mon Dieu. Il y a des fois je pleurerai bien parce qu'on me donne des mots et ça a un sens, hein. Mais ça a un sens très profond pour peut-être une personne, mais et ça, c'est en rapport avec ce que je fais, hein. C'est en rapport avec ça. Bon. Sérénité, écrit, lézard. Alors peut-être que vous allez aussi vous associer par rapport au travail. Changement, déménagement. Donc vous allez avoir des nouvelles aussi d'une personne. Peut-être que justement, cette personne-là, vous n'aviez plus de nouvelles. Eh bien, il est possible que vous ayez des nouvelles. Attention, dans ce cas-là, il est possible que cette personne, si c'est une personne que vous ne voyez plus, que vous n'avez plus vue depuis un certain temps, que vous aimez toujours de la même manière, il est possible que cette personne revienne avec un enfant. Voilà. Donc, est-ce que vous seriez prêt ou prête à voir ? C'est vous qui savez. Une dame avec un enfant... Ce sera, je ne sais pas si tu es tout à l'heure ou je ne sais plus. En tout cas, ici, ça me parle d'un petit garçon, un bébé, un petit garçon. Non, une fille, pardon. La lune, une fille. C'est le soleil, le garçon. Ouais, non, c'est une petite fille. Une petite fille. D'ailleurs, je ne sais plus quand j'ai dit que c'était un garçon, mais non, c'est une fille. Avec la lune. Bon ben voilà, écoutez, pour moi ici, les choses vont s'arranger de toute façon. Les choses vont s'arranger, vous allez vous rapprocher, vous allez revivre cette union plus encore qu'elle sera sacrée, mais elle sera encore plus pour vous. Elle sera vraiment solide. C'est quelque chose qui... Vous pourrez avoir confiance en l'autre, mais ce sera un petit peu difficile, ça oui, je le sais. Mais vous pourrez. Mais peut-être ne le montrez pas trop, parce que chasser, ça dépend des gens, mais chasser le naturel, il revient au galop parfois. Voilà. Donc il faut faire quand même attention, mais normalement, ici, moi je vois, c'est une très très belle carte. Je vais faire, j'ai quand même tiré une 13e carte parce que je n'aime pas les chiffres pairs. Et comme 13, j'adore, mais qu'est-ce que je vais prendre comme je. On va prendre aujourd'hui le tarot, Tarot of the Witches, et c'est le tarot, vous savez, qu'on voit dans le film James Bond. Je ne sais plus lequel, il faut demander à mon mari. Ici. Donc c'est avec ce dos-là, je sais bien qu'à la télévision, on ne voit pas qu'il est comme ça, mais il est écossais, mais dans les tons de rose. Mais à la télé, il sort autrement, mais c'est celui-là, absolument. Donc, avec ce tarot,
On va demander, c'est à Marseille hein, plutôt, mais bon, je vais. Je lis comme un rider. Voilà. Vous voyez, c'est très spécial, mais il est beau, mais bon, voilà, ce sont des coupes. Ok, on va tirer une carte ici pour voir peut-être le mot de la fin. Oui, le mot de la fin ou un complément d'information, pourquoi pas. Un complément d'information pour vous, les amis qui avez choisi le premier tas de cartes avec le marié, pour une situation triangulaire. Comment est-ce que ça va évoluer? Oui, comment est-ce que ça va évoluer? Donc ici, si vous êtes vous-même, vous êtes la personne, la troisième personne entre guillemets, oui, pour moi ça va se rapprocher. En tout cas, ça va se rapprocher pour vous, la personne qui est là et qui écoutez cette vidéo. Parce que, pourquoi? Parce que c'est vous qui êtes là. Et parce que si vous êtes là, il n'y a pas de hasard et que c'est vous qui devez recevoir ces énergies-là. Ça n'est pas non plus pour une personne que vous connaissez. Si vous n'êtes pas en triangulaire, ça ne vous concerne pas. Mais peut-être que vous ne savez pas qu'il y a quelqu'un d'autre. Et donc là, vous allez peut-être le découvrir. Ça dépend. Ça dépendra. Vous allez peut-être parfois faire un tilt. Voilà. Mais en tous les cas, voilà. Et ici, c'est un tarot qui est vraiment très très beau. Il est chouette. Enfin, moi, je l'aime beaucoup. Et ouais. Je l'aime beaucoup. Il est spécial. J'aime bien ce qui est spécial. En plus, il n'est pas cher. Je me demande si je ne vais pas payer 12 euros. Et j'en ai commandé 3. Ça, c'était pas exprès. J'en ai 2 emballés encore. Je ne sais pas pourquoi. Bon, la carte qui vient de tomber, le valet de denier. Ici, ça nous parle d'argent, principalement. Donc, le valet de denier, c'est un messager d'argent. C'est une personne qui va. C'est une personne qui va aider, qui va vous aider. En tout cas, c'est une bonne nouvelle financière, hein, une bonne nouvelle par rapport aux finances. C'est un message, en tout cas, d'aide. Donc peut-être vous allez aider ou vous avez besoin qu'on vous aide financièrement un petit peu. Bon, celle-là, elle était tombée. Je vais garder celle-là. Parce qu'elles sont toutes belles, donc je ne vais pas gâcher le truc avec. Voilà. Ok. Ok les amis, bon celui-là je vais le remettre dedans parce que je m'en servirai. Je m'en resservirai pour l'autre jeu. Pour celui-ci. Pour vous qui avez choisi la mariée. Alors, combien de temps j'ai mis? 30 minutes. Ok. Donc ça, il faut que je le. Pas oublié, j'oublie. Allez, on y va. Pour vous qui avez choisi la mariée, je vais les mettre ensemble parce que sinon après ils pleurent. Moi je les entends pleurer, vous pas, mais ils cherchent après, et puis ils pleurent. Comme ça, ils sont très heureux ensemble. Vous ne les voyez pas bien. On y va. Quelle affaire, moi. Moi et mon bordel. Alors, on y va pour vous qui avez choisi le deuxième tas de cartes. Faut que je me mette dans les énergies de l'autre cas du deuxième tas. Donc vous qui avez choisi le deuxième tas avec la mariée pour une relation triangulaire dans les 3 mois. Finis mon bazar. Nous avons la justice. Bon, alors ici, la justice, voilà, on est dans la justice. Attendez, je bouge ça.
Donc ici, il y a des démarches administratives. Alors, justice, oui, c'est la loi, bien sûr. Ça pourrait être aussi des démarches administratives. C'est très général. Et dans, voilà. Il y a une personne qui va essayer de régler la situation. Il y a... C'est bien fait quand même. Il y a... Vous voyez, au-dessus, regardez les trois petits insectes au-dessus. Donc nous avons deux abeilles de chaque côté. C'est des abeilles ou des guêpes? Des guêpes, je crois. Et au milieu, nous avons une colombe. Donc, il y a quand même la notion de... Entre les deux, ici, les deux hommes qui se crient dessus parce qu'ils ont fait un accident. Il y a la dame qui va intervenir pour essayer de les calmer. Donc ici, il y a une notion ici de conflit. On est ici dans des conflits. Donc certainement que la triangulaire est connue. Ouais, il y a des conflits. D'où peut-être du fait, alors de ce fait-là, peut-être qu'on a porté plainte, toujours pour des bêtises ou quoi. Ça, c'est possible aussi. Okay. Nous avons le jugement. Oh, après la justice, on a le jugement. Donc, vous allez avoir le rapport, vous allez avoir la solution. Voilà, vous allez recevoir la solution. Nous avons le 3 de coupe. Ben, le 3 de coupe, c'est toujours bon, hein. Le 3 de coupe, ça va nous parler de soulagement, d'une conclusion heureuse, de célébration, de fête, de bonheur, de succès. Donc, il y a une situation qui va s'arranger. Une situation de papier, une situation de... Ouais, de papier, une situation judiciaire, peu importe. En tout cas, ça va s'arranger. Oui, ok. Après, nous avons le 7 d'air. Alors, le 7 d'air. Il va nous dire quoi? Peut-être d'attendre un petit peu, que ce n'est pas le bon moment. Le 7 d'air, c'est le 7 d'épée. Le 7 d'épée peut aussi parler de déception, de vol, de tromperie, de tricherie, ce qui est un peu normal dans une triangulaire. On va voir peut-être pourquoi plus loin. Nous avons le 4 d'eau, ok. Le 4 d'eau, vous devez faire le deuil de quelque chose, n'oubliez pas. Le 4 de coupe, arrêtez de focaliser sur les trois coupes et prenez celle que l'on vous offre. Ratez une occasion, insatisfaction ou ennemi. Ouvrez les yeux et tâchez de repérer de nouvelles occasions. Exactement. Voilà. Donc arrêtez de regarder les trois coupes là que vous n'arrivez plus. C'est terminé. Vous ne saurez plus les revoir ces coupes là. Prenez la belle coupe qui est là devant, enfin à côté de vous, et tournez le dos à ces trois coupes et partez. Partez avec la nouvelle coupe. On a le roi de terre. Ici, ça nous parle encore quand même de d'occasion, hein, qu'il faut aborder vos occasions, les occasions qu'ils vont s'offrir à vous. Hein. Ça veut dire, il faut saisir votre chance. Ouh, on a l'île. Ok. Nous avons le repos, j'allais dire justement, on doit se reposer. Je confirme.
La paix, ça me parle aussi de voyage, là. La paix. D'accord, je vais peut-être vous la montrer plus près. Petit dessin enfantin. Voilà. Si ma fille est d'accord de gérer les mails, j'ai envie de refaire un jeu. Mais un autre. Un tarot, un petit Lenormand. Mais il faut que ce soit ma fille qui gère. Moi, je ne saurais pas. Il faut que je lui demande. Alors, qu'est-ce qu'on a pour finir ici? Donc, on a l'île, le repos, la paix. Oh, wow. Ben, écoutez, c'est vraiment... c'est peut-être aussi ce qui se passe pour le moment. On est bloqué, bloqué chez vous. Donc, vous profitez peut-être, comme on a peu de soleil. Je ne sais pas si vous, vous avez aussi du soleil, mais je crois que oui. Donc, profitez du soleil. Et vous allez, à mon avis, c'est un repos forcé qui va vous faire un bien fou. Vraiment, un bien fou. Et vous allez vous retrouver dans votre famille, avec votre femme et peut-être vos enfants. Si vous êtes trop jeune pour ça, ben vous allez voir que vous allez peut-être tomber amoureux. Maintenant, c'est, ouais, parce que les autres sont plus jeunes, ben voilà. Mais si vous êtes, normalement, on n'est pas en âge de regarder ce genre de trucs quand on est plus jeune. Mais moi, je dis ici, à partir de 14 ans, il y a des choses qui vont changer pour vous parce que vous allez rester à la maison. Alors, soit... Ça n'a rien à voir avec... Oui, ça se peut. Ouais, ok. C'est peut-être vos parents. Vos parents vivent une relation triangulaire. Peut-être que c'est vous qui le savez, et pas votre maman ou pas votre papa. Peut-être vous le savez qu'il y a quelqu'un de plus. Mais la personne concernée ne sait pas que vous le savez. Du coup, c'est vous qui souffrez. Vous ne savez pas si vous devez le dire ou pas. Et justement, le fait d'être peut-être enfermés ensemble, vous vous faites des allusions à cette personne, à votre papa ou à votre maman. Mais il ne réfléchit pas. Vous pouvez être très triste de la situation. Mais ne le soyez pas. Ne le soyez pas, parce que d'abord, ce n'est pas votre faute. Et puis, les choses vont changer très vite. Les choses vont changer très vite, à mon avis, dans le bon sens, pour vous. On a, enfin, j'espère, on va voir avec les autres cartes. On a le trèfle. On a la maison, super. La maison, le foyer, elles sont jolies. Hein. Mimi, elles sont mimi. Et le vaisseau, ok. Il est disparu encore. Voilà, le vaisseau. Donc, ici, en effet, la maison, donc le foyer. Ah oui. Écoutez, ici, pour moi, il y a des disputes, il y a des conflits. Il y a un jugement, il y a la justice. Il y a quelque chose, en tout cas, il y a quelque chose qui va être terminé. On va terminer cette... ces choses qui sont administratives, qui sont... Voilà, on va en terminer. Et puis, on va... c'est un soulagement. C'est le succès, c'est le bonheur, c'est une conclusion heureuse. Donc, je pense que pour certaines personnes, vous allez arrêter, vous allez stopper votre liaison avec l'autre personne. Vous allez l'arrêter. Parce que vous avez pris ici, ou vous allez prendre ici ces jours-ci, vraiment conscience de la chance que vous avez d'avoir d'avoir une famille et que vous avez fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de chemin avec une personne. Et que cette personne-là ne mérite pas, mais bon, ça ne se commente pas, ne mérite pas, donc qu'on la laisse tomber, mais on ne peut pas non plus rester avec par pitié. Mais je pense que, ici, dans ce cas-ci, pour moi, il faut réfléchir. Il faut vraiment réfléchir. Après, qu'est-ce qu'on a? Le 7 d'air, le 4 d'eau et le roi de terre. Ok. Donc ici, on a ici, avec le roi de terre, on a de belles opportunités financières,
des offres qui vont s'offrir à vous et que vous devez aller, si vous allez vous présenter pour un travail, allez-y en conscience. Comme si vous l'aviez déjà. D'accord? Vraiment. Faites-le parce que moi je le fais et j'ai remarqué que c'est comme quand on le fait, c'est comme quand on le, si on le fait et qu'on demande comme ça, si on est vraiment, voilà. C'est, il faut savoir comment. J'ai des messages qui viennent, qui viennent, qui viennent, qui viennent, qui viennent, qui doivent sortir, qui doivent sortir. Je sais pas si je vais pouvoir continuer ma chaîne, je ne sais pas. Donc, le 4 d'eau, oui. Donc ici, pour moi, il y a une réconciliation. Vraiment, il y a une réconciliation. Donc si c'est vous qui êtes trompé ou trompée, je pense qu'il y a une réconciliation pour vous. Je pense que même si vous êtes déjà dans les démarches judiciaires, il est très possible, il n'est pas, oui, il est possible que la personne, parce que si je dis il n'est pas impossible, c'est négatif, donc on n'entend pas le négatif, donc ça veut dire il est impossible, même si je dis il n'est pas, non. Et pour moi, il y a des retrouvailles familiales. Il y a quelque chose de nouveau par rapport à la famille. Donc la famille est déjà là. Si vous n'avez pas de famille, si vous n'avez pas encore commencé, voilà, il y a vraiment quelque chose qui va commencer pour vous. Une famille qui va se construire. Mais faites quand même attention. Parce que la personne avec qui vous êtes, ou avec qui vous allez vous mettre en ménage, est une personne populaire. C'est une personne qu'on a toujours envie de la voir. Voilà. Lui ou elle. Ok, ici, donc, je pense que dès que la situation virus va être terminée, enfin dès qu'on pourra, qu'on sera, il y en a qui vont, vous allez partir, vous allez vous reposer, parce que là peut-être qu'on est en confinement, mais on n'est pas du tout en repos. Donc ici on va se reposer et vraiment, ça vous fera du bien. Une paix, vous allez retrouver la paix. Oui, vous allez retrouver la paix. Où trouver la paix? Parce que la personne, si vous êtes par exemple, si vous êtes en couple, et que j'invente, si vous êtes madame dans un couple, vous regardez la vidéo et vous avez un mari qui vous trompe, il vous trompe avec une femme, hein, c'est cette femme-là, elle le harcèle, et elle le harcèle tout le temps. Elle ne le laisse jamais tranquille. Jamais. Mais elle est tellement manipulatrice qu'elle arrive à faire en sorte que ça ne l'ennuie pas. C'est ça qui est bizarre. Il ne va pas supporter ça de personne, d'être manipulé, dit où est-ce que tu es, quand est-ce que tu rentres, quand est-ce que tu viens. Il ne va pas l'accepter, mais d'elle, il l'accepte. Il l'accepte, mais je pense qu'il va en avoir marre. Oui, oui, il va en avoir marre. Donc, il faut vraiment qu'il fasse son deuil aussi, cette personne, ou il, entendons-nous, on met à... Mais par contre, ah oui, non. Oui, ici, on a la réussite. On a la réussite ici avec le roi de terre, le roi de denier, donc oui. On a la réussite, on a la paix, et on a des nouvelles. Voilà. Et puis alors avec le trèfle, bah écoutez, de la chance, en veux-tu en voilà. De la chance dans le foyer, dans la maison. D'accord. Donc dans la... Ici c'est le foyer,
c'est la maison. En l'occurrence, moi ici, puisque la... la barrière est ouverte, donc pour moi ici, on attend qu'une personne revienne, ou on attend que quelques personnes reviennent pour pouvoir fermer la barrière et pour pouvoir vivre comme avant. Il a un peu féerique à ce petit jeu, et pour pouvoir enfin, ben voilà, on revit, on t'attend, tu vas revenir, et ça redevient comme avant. Moi je pense vraiment que pour ce cas-ci ici, si vous êtes en triangulaire, je pense que le couple... le couple va probablement sera plus fort. Je pense que le couple sera plus fort. Ouais. Je pense. C'est une carte du petit Lenormand. Oh, elle est là au bout. Okay. Allez, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que j'avais fait, oui? Qu'est-ce que j'avais pris? J'avais pris une carte? Ben oui, je me rappelle plus. Ouh là là, ça va mal. Hein. Je me rappelle plus, j'avais tiré une carte pour l'autre. Je me rappelle plus. Il se passe des choses dans mon cerveau, les amis. Ah ben voilà, on a le 2 de coupe. Alors le 2 de coupe, les amis, ici, le 2 de coupe, ben, c'est tout simplement un nouvel amour. Un amour qui commence, la flèche dans le cœur n'a pas à être là. Mais c'est un nouvel amour, c'est voilà, c'est tout, c'est que beau. C'est, on tombe amoureux, c'est un couple amoureux ici, on est déjà amoureux. Donc un couple amoureux, ça peut être aussi une nouvelle relation. En tous les cas, ça parle d'amour et ça parle de très très positif. Nouvelle relation, voilà, on va rencontrer quelqu'un, si vous êtes dans le cas que vous êtes seul, vous allez avoir l'opportunité de rencontrer quelqu'un. C'est vrai, hein. Donc, il ne faut pas que vous partiez, oui, elle dit ça, mais... si, c'est vrai, mais si vous, déjà, vous n'y croyez pas, en disant, ouais, mais on dit tout le temps ça, il n'y a rien qui m'a... ça n'arrivera pas, ben, c'est sûr que vous n'en rencontrerez personne. Ça, c'est sûr et certain. D'accord? Donc, voilà. Ok, ok, ok. Voilà les amis, pour cette petite triangulaire. J'ai encore fait long, hein. Oh là 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 là. C'est impossible. Pour la carte du petit déjeuner, il faut que je raccourcisse. Mais là, c'est terrible. J'arrive plus. Bon, donc, vous voyez, j'ai encore envie de faire, quoi. Moi, je passerai ma journée, donc. Ma journée, ma nuit, tout. Je voulais faire un oui ou un non, mais je ne vais pas le faire. Je ne vais pas le faire parce qu'il y a des gens qui n'auront pas regardé le deuxième tirage, qui est normal, hein, puisqu'ils auront choisi le premier. Voilà les amis, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite, ben, j'espère que ça vous a un petit peu éclairci la situation. Voilà, moi je me dis, ah oui, ce que je voulais vous dire aussi, par rapport, je vous avais demandé si... vous vouliez que je refasse des tirages pour la semaine avec les trois cartes, les trois tas. Alors franchement, je vous l'ai dit, je crois. J'ai été vraiment très 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 étonnée de voir que presque la majorité des gens disaient non. J'ai été mais très étonnée en me disant oui, en effet, il y en a partout, non. Bon, alors de toute façon... je ne dis pas que je n'en ferai jamais parce que parfois j'ai envie quand même, mais je vais, ben, au lieu de faire le tirage à la semaine, je vais essayer de faire des petites vidéos comme ceci, des petites, pour savoir un petit peu, pour approfondir d'autres choses. Donc aujourd'hui, j'ai fait la vidéo hier ou je ne sais plus quand pour hier. Pour savoir quoi encore, enfin vous l'avez vu. Et puis, je suis désolée, mais il paraît que c'est normal. Il paraît qu'on perd la tête avec la... bon, je sais pas. On perd la mémoire, plutôt. Mais je vous avoue que je suis absolument, absolument fatiguée. Fatiguée. Voilà.
Bah écoutez, je vous laisse. J'ai pas envie. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite, je voulais vous dire autre chose, mais je ne sais plus quoi. J'étais en train de vous parler quelque chose. Je me suis interrompue et puis je ne sais plus. Les jeux, non, non, n'envoyez plus de mails, s'il vous plaît, parce que voilà, je n'ai pas encore répondu à tout le monde, mais je manque de temps. Je manque de temps. Je vous jure, je manque de temps. Pourtant, j'arrête pas. Donc ne m'envoyez plus de mails parce que normalement tout le monde. J'en ai même sûrement trop. J'ai pas eu le temps de compter. Mais sinon, je vous dirai combien il m'en reste, hein, s'il m'en reste. D'accord? Je vais en garder quand même un ou deux pour moi. Hein. Mais voilà, comme celui-ci, ben voilà. Je l'avais pas touché, maintenant je vais le garder pour moi. Mais non, c'est bien celui-là. Vous voyez ce que je voulais dire avec les bordures? Vous voyez, j'ai pas fini. Hein. Voilà. Donc vous les faites à votre. Évidemment, moi, elles sont usées, mais. Voilà. Et quand elles sont bien mises, et ben ça fait. Ça fait ça. Là. Ça, je vais le faire à mon autre jeu, du coup. À celui-ci. Ça, je vous montrerai ce que ça donne. Bon, ben écoutez, je vous laisse. Je vous fais plein de bisous. Je voulais vous demander un truc. Ah oui, ben, des idées de vidéos comme celle-ci. Donc ici, ce sera la triangulaire. L'autre, je ne sais plus ce que j'ai. Pourquoi est-ce que j'ai fait l'autre? Par exemple, si vous voulez une vidéo, je ne sais pas du tout. Sur l'argent. Mais les gens ne sont pas tellement intéressés, je trouve, par l'argent, les finances. Non, c'est plutôt l'amour, l'amour, l'amour. Mais bon, j'ai pas, il faut que je sache quoi. Donc, éclairez-moi, je ne sais pas. Les triangulaires, l'amour peut-être quand on est éloigné. Mais donnez-moi des idées et j'essaierai vraiment de faire ça en, ben, en complément de comment, de ce que je ne ferai pas les cartes, les énergies de la semaine. Mais innover, hein, ne me faites pas, je sais pas, je sais même pas moi, j'ai pas le temps de suivre les autres chaînes, très très peu, mais ne me dites pas, tiens, une telle fait ça, fait comme ça, parce que ça non, hein, pas du tout, pas du tout. Ayez-vous vos idées à vous, et me demandez-moi, dites-moi, voilà, tu pourrais peut-être faire ça, ou ça, ou ça. Mais pas, ne mettez pas évidemment votre cas, hein. Parce que je verrai, et ça n'ira pas, parce que je vais faire le tirage, ce sera que pour vous. Donc voilà, voilà. Mes amis, je vous fais des bisous. Je vous fais des bisous, et puis je vais voir qui est là. À bientôt. Bisous, bisous. Et n'oubliez pas, soyez positifs.